Connectez-vous, mes étoiles d'amour. Voilà, d'abord. Ah ben oui, tu m'étonnes. Alors, attendez. Attendez. Mes étoiles, libérez les cœurs. Alors, hop. Mes étoiles d'amour, libérez les cœurs, libérez massivement les cœurs, s'il vous plaît. Le village brille. Voilà, faites un maximum de partage. Merci. Merci à mes étoiles là. Enfin, merci aux étoiles, quoi. Voilà. Les cœurs, mes étoiles, partagez massivement le live, s'il vous plaît. Partagez massivement le live, s'il vous plaît, c'est important. Faites briller le village, libérez les cœurs, les démons seront en liberté, ne les laissez pas gagner. Alors, hop. Libérez les cœurs, mes étoiles. Le direct. Voilà. Connectez-vous, mes étoiles. Vous êtes déjà 70. 6, 60, bon, on va dire qu'il y a peut-être 10 personnes qui ne sont pas, qui ne m'aiment pas beaucoup. Les 60 perses, étoiles qui sont déjà connectées. Vous savez, il faut faire briller le village, mes étoiles d'amour. Ouais, pourquoi il y a la luminosité de dehors, là? Les 80 personnes qui sont déjà connectées ont fait 10 partages minimum, mes étoiles. 10 partages minimum. Parce qu'il faut doser le live, là. 10 partages minimum. Dès qu'on a atteint 500, on commence à parler, mes étoiles. Faites au moins atteindre 500 personnes dans le live avant de commencer, parce que c'est un grand live. C'est un grand live, mes étoiles d'amour. Voilà. Désolée s'il y a un peu trop de luminosité. Voilà. Dès qu'on a atteint, on va regarder le nombre de partages. Faites au moins 1000 partages dans le live, là, mes étoiles. Je connais votre force de frappe. 10 partages par personne. Quand on partage, on dit la mère des étoiles, j'ai fait briller le village. Voilà, il n'y a que 25 partages. Voilà, merci aux étoiles qui ont déjà partagé. Donc, dosez les partages, mes étoiles. Guy Dylan, le village brille. On ne dit pas bonjour, on ne dit pas bonsoir, Guy Dylan. On dit le village brille. Je sais que vous êtes au travail. Hein. Pour certains, essaye de fermer. Mais si je ferme les volets, ça va être trop sombre. Attends un peu, mon étoile. Si je ferme les volets, est-ce que vous allez encore me voir? Il n'y a pas de filtre. Vous voyez un peu? Quand je ferme un peu les volets, vous ne me voyez plus assez. Est-ce que là, c'est mieux? Bon, de toute façon, est-ce que là, c'est mieux, mes étoiles? Avant de commencer, n'oubliez pas mes étoiles. Je fais d'abord mon placement. C'est important. Le travail avant tout. Pour une belle peau comme l'étoile cribienne, utilisez la gamme Cribiclair qui ne coûte que 165 euros. La gamme Cribiclair qui ne coûte que 165 euros. Vous pouvez avoir cette gamme sur le site cribiclair.com. Le site est en titre de ce direct. On livre partout. C'est la gamme que moi-même j'utilise. Si vous avez les quintos sur les doigts, les irrégularités de teint, les taches laissées par l'acné, utilisez cette gamme. Elle est sans hydroquinone, sans soude caustique, sans mercure. Donc, aucun danger pour votre épiderme. On livre partout. Voilà, pas encore disponible au Cameroun. Je n'ai pas encore eu le temps de m'en occuper, mon étoile. Bientôt, nos produits seront disponibles au Cameroun. Voilà, après que... Bon, mes étoiles, je dis, on parle à 500, mais comme la page est restreinte, le temps que vous partagez, ça prend du temps. Donc, partagez le live. Je veux la gamme, je suis au Cameroun. Ce n'est pas encore disponible. Clara New Look, le village brille. Partagez le live, mes étoiles. Je dis, il n'y a que les curieux dans le live là. Parce que Clara New Look, dosez-moi les partages là-bas. On est à 47 partages. Donc, on va dire que le reste là, ce sont les personnes qui sont seulement venues faire la curiosité. Martial Patrick, merci pour tes cœurs. Bon, bonjour mes étoiles d'amour, mes chers compatriotes. Et toutes les communautés de différents pays qui me font l'honneur de me suivre dans ce village virtuel qu'est la page de mes étoiles et moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas,
Je suis l'étoile caribienne, une artiste de gospel qui en aparté détient un village virtuel de sensibilisation, de dénonciation, d'éveil de conscience et de conseil dans le positif. Merci Bijunga. Merci beaucoup. Aujourd'hui, mes étoiles, je vous demande de doser les partages dans ce live. Étoile, pourquoi tu m'as bloqué? Peut-être tu t'es mal comporté, mon étoile. Envoie ton nom en privé, je saurai si je ne sais pas. Peut-être tu t'es mal comporté, non? Envoie-moi ton nom en privé. Si tu demandes comme ça, c'est que ça fait longtemps que tu es bloqué. Parfois, vous venez insulter, vous dites que vous ne savez, nos pages ne servent à rien. Quand vous nous insultez comme ça, on bloque. Après, vous venez encore pleurer, mes étoiles. Je vous suis depuis plusieurs mois. Je vous aime. Merci beaucoup, Bouba. Boub. Jeanne, bisous. Tête, bisous. Tête, Laetitia, bisous. Colis, bisous. Le village, Brilou, Wolfie, bisous. Mes étoiles, dosez les partages, s'il vous plaît. Dosez les partages. Vous savez que comme ma page est restreinte, le temps que Facebook fasse tourner, que les autres voient le live, ce n'est pas bon. Emine, Clara, Antoine, bisous. Sandra, bisous. La Hollandaise, Mounjongue, bisous. Le village brille. Le village brille. Bon, les gens sont en train de se connecter tout doucement. Ils vont venir voir le live après parce que moi, j'ai une petite course à faire après. Malvin, bisous. Madi, nous, non. Apolite, bisous. Je vous salue d'abord. Non, ça permet que les autres puissent se connecter. Vous savez qu'à cause du dossier de Samy, on nous a d'abord mis Ongata. Ce qui fait que quand je me connecte, je n'insulte... Alors, envoie ton nom par message, je vais te débloquer. Quand je me connecte, les autres étoiles ne nous voient pas. Donc, il faut que vous dosiez les partages pour que d'autres puissent voir. Vous avez déjà fait combien de partages là? Si vous ne dosez pas les partages, on n'est qu'à 130 partages. Et quand la page est bloquée comme ça, il faut au moins 1000 partages. Je t'aime pour ton franc parler. Merci. Naï, bisous, le village, bisous, bisous. Bon, mes étoiles, on va commencer le live parce que moi, je dois partir après. On va commencer ce live en lisant le post de l'artiste Lady Ponce. D'accord? On va commencer ce live en lisant le post de l'artiste Lady Ponce. Ce live est très important. Ok, est-ce que c'est ça que j'ai partagé? Attendez, je n'ai pas le bon. On va aller sur la page de l'artiste. On va lire le post sur... Où est le post là? Voilà. Lisons ensemble le post de l'artiste Lady Ponce. C'est bien sur sa page que j'ai pris ça. Voilà, c'est sa page certifiée. D'accord? Voilà ce que Lady Ponce dit. Fally, mon frère, je n'ai aucun problème avec toi et ce poste n'est pas pour toi, mais pour Kamtel. Je m'excuse si la lecture ne sera pas fluide parce qu'il n'y a pas beaucoup de ponctuation. Enfin, on n'a pas respecté beaucoup de ponctuation, on a écrit. Donc, c'est un peu difficile. Donc, Fally, mon frère, je n'ai aucun problème avec toi et ce poste n'est pas pour toi, mais pour Kamtel. J'exprime ainsi mon ras-le-bol, c'est assez. Parce que dans ton pays, on te respecte et on te célèbre. Je connais ton talent, mon frère, je le respecte et je sais quel est ton caractère très important. D'accord? Mon pays est un pays d'accueil, certes, mais je réclame également la même considération dans mon pays. Écoutez bien, ceux qui viennent d'arriver, vous plaît qu'on recommence la lecture. Attendez, c'est très important parce que je vois comment on s'entend d'aller dans tous les sens. Je viens donner mon avis. Fally, mon frère, écoutez bien les propos de Lady Ponce. Fally, mon frère, je n'ai aucun problème avec toi et ce poste n'est pas pour toi, mais pour Kamtel. J'exprime ainsi mon ras-le-bol, c'est assez. Parce que dans ton pays, donc parlons du pays de Fally Ipupa, parce que dans ton pays, on te respecte et on te célèbre. Je connais ton talent, mon frère. Je le respecte et je sais quel est ton cachet très important. Donc, elle sait quel est le cachet. Donc, combien Fally prend quand il doit prester dans un pays? Un cachet très important. Ça veut dire que ce sont des sommes faramineuses. Mon pays est un pays d'accueil, certes, mais je réclame également la même considération dans mon pays. Vous n'êtes pas fatigué de cette campagne de dénigrement envers les créateurs des œuvres de l'esprit de l'Afrique en miniature?
Quand c'est trop, c'est laid. Petit Pays ne pouvait pas être en tête d'affiche de cet événement. Ce n'est pas une icône de la musique africaine et mondiale, mais quel mépris à outrance. Comme tel, quelle honte, quel mépris. Nos sociétés n'ont aucun respect pour l'artiste camerounais, mais. Cameroun Télécommunications, tu lances un produit consommé par les Camerounais, pourtant tu es une société du contribuable. Mais tu prends Fally comme tête d'affiche et c'est lui que vous mettez en tête d'affiche. Donc dans notre pays, aucun artiste ne peut être au lancement de produits. En plus, vos billets sont gratuits. Voilà donc notre pays. Un pays où nos sociétés n'ont aucun respect pour l'artiste local. Mais consomment gratuitement nos musiques sans payer les droits d'auteur. La honte, c'est terrible. Votre mépris va arriver jusqu'à quel niveau? Tu ne soutiens pas les artistes de ton pays. J'ai demandé votre sponsoring pour le Aposi. Vous n'avez pas donné un centime. Vous ne soutenez personne, aucun artiste de votre pays. Ceci ne peut exister dans aucun autre pays d'Afrique. Je crois que c'est ce qu'elle voulait dire. Quelle est cette sorcellerie? Même la jeune génération d'artistes ne pouvait pas être à Paris. C'est quoi ce complexe, chers collègues artistes? Je vous dis, si nous ne revendiquons pas ce qui nous revient de droit, personne ne le fera. Trop, c'est trop. Stop au mépris des artistes camerounais. Stop, stop, stop. Libérer massivement les cœurs. Voilà le poste de l'artiste Lady Ponce. Je vais lire le poste d'un professeur que je respecte énormément, qui est un ami et qui m'a beaucoup apporté. Mais je vais me permettre de lire son poste. Ici, je vais appeler le professeur Jean Crépin Niamsi. Donc, je vais aller sur le poste du professeur Jean Crépin Niamsi. Mes étoiles d'amour, libérer massivement les cœurs. Je suis tombée sur le poste du professeur Jean Crépin Niamsi, qui lui est contre la sortie de l'artiste Lady Ponce. Il est où son poste là? Il est où? C'est bizarre ça. Attendez mes étoiles. Il est où son poste? Jean Crépin. Voilà. Bon, je vois que le cercle, je n'ai pas retrouvé sur sa page. Le professeur, le docteur Jean Crépin Niamsi, donc, le docteur Jean Crépin Niamsi. Je vais vous lire ici pourquoi est-ce que j'ai choisi de lire le poste du professeur Jean Crépin Niamsi. Parce que c'est un intellectuel. Parce que c'est quelqu'un qui ne fait pas des sorties abracadabrantes. C'est quelqu'un qui normalement réfléchit avant de sortir. Et je pense que nous sommes des personnalités publiques. Ça veut dire que lorsqu'on parle publiquement, chacun est libre de donner son avis sur la sortie de chacun, la preuve. Lady Ponce a fait un poste où elle a mentionné le nom de personne d'autre, si ce n'est Kamtel et Fally Ipupa. Les gens qui ne s'appellent pas Kamtel et qui ne s'appellent pas Fally Ipupa se sont offert le luxe de parler de ça. D'accord? Donc, je vais lire le poste du professeur Jean Crépin Niamsi, docteur Jean Crépin Niamsi. Donc, voilà ce que le docteur Jean Crépin Niamsi répond à l'artiste Lady Ponce. Docteur Jean Crépin Niamsi demande à l'artiste Lady Ponce de présenter ses excuses aux Congolais pour sa sortie d'hier. Je suis tombée sur ça, hein, sur ce poste-là. Donc, ici le titre que je viens de vous donner, c'est la page Cercle des Stars du 237. Donc, je vous donne le nom de la page pour essayer aussi de faire la promotion des pages camerounaises. Donc, la page, c'est Cercle des Stars du 237. Vous irez regarder le poste après pour juger de la véracité de mes propos. Voilà. Le docteur Jean Crépin Niamsi demande à Lady Ponce de présenter les excuses aux Congolais pour sa sortie d'hier. Chère madame, il n'y a pas plus d'une semaine que nous étions en train de défendre le dossier Diana Bouli en Côte d'Ivoire. Votre sortie est maladroite et je ne saurais faire comme les autres Camerounais qui vous encouragent dans cette maladresse. Écoutez bien. Fally Ipupa est un artiste de renommée internationale. Il est entouré d'une équipe compétente qui sait négocier les cachets. Je refuse le lynchage de Fally au Cameroun et je vous demande de présenter rapidement les excuses au peuple congolais. Écoutez bien. Il fallait s'en prendre à Kamtel et mettre leur logo sans faire référence à l'artiste Fally Ipupa. Il est inadmissible de jouer les gros bras en Côte d'Ivoire en demandant aux Ivoiriens de respecter le slogan Côte d'Ivoire, pays d'hospitalité, et venir faire le contraire au Cameroun. Fally Ipupa attend les excuses de votre part. Alors, je vais reprendre un petit peu
J'étais en train de paraphraser les propos du professeur Jean Crépin Niamsi. Chère madame, il n'y a pas plus d'une semaine que nous étions en train de défendre le dossier Diana Bouli en Côte d'Ivoire. Votre sortie est maladroite et je ne saurais faire comme les autres Camerounais qui vous encouragent dans cette maladresse. Fally Ipupa est un artiste de renommée internationale. Dans le poste de Lady Ponce, Lady Ponce n'a jamais oublié que Fally Ipupa est un artiste de renommée internationale. Lady Ponce n'a jamais ignoré le talent de Fally Ipupa. Je tiens à souligner ça parce que c'est important. Ce que le professeur Jean Crépin Niamsi a fait ici, sur ces lignes-là, il rapporte indirectement les propos de Lady Ponce. Lady Ponce n'a pas dit que Fally Ipupa n'est pas un grand chanteur. Elle n'a pas méconnu que c'est un artiste reconnu à l'international, en l'occurrence un artiste de renom. Elle n'a pas dit ça. Voilà. Donc, merci cher professeur Jean Crépin Niamsi pour cette sortie. Nous sommes dans un état dit démocratique, ça veut dire que chacun soutient la cause qui lui tient à cœur, chacun donne son avis selon ses analyses. Et ben moi, j'essayais un peu d'insister là-dessus. Et on va rouvrir, je garde ça en parenthèse, on va essayer de revenir dessus si le temps n'est pas trop long. Ma chère communauté, mes chères étoiles d'amour, et toutes ces personnes qui nous font l'honneur de nous regarder de différents pays, on va parler. Faites un élan de partage. Libérez massivement les cœurs. Les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. Mes chers frères et sœurs camerounais, ce qui nous a toujours tués au Cameroun, c'est le manque de solidarité. Ce qui nous a toujours tués au Cameroun, c'est le manque d'empathie. Ce qui nous a toujours tués au Cameroun, c'est l'égocentrisme chronique. C'est ce qui nous a toujours tués au Cameroun. Vous me connaissez, je ne défends pas pour défendre. Je ne m'aligne pas sur une cause pour m'aligner. Lady Ponce a souvent fait des sorties ici où je l'ai acculée. Elle a souvent fait des sorties ici que je n'ai pas épousées parce que je ne pratique pas le suivisme. Non, non, non. Je lis, j'observe, je vois, j'essaye de faire mon analyse à mon niveau. Lady Ponce a déterré ici un problème qui nuit les artistes camerounais depuis des années. Que vous ne soyez pas content de Lady Ponce parce que vous avez des antécédents. Que Lady Ponce vous ait énervé sur certains sujets. Que Lady Ponce prenne trop les places dans les podiums. C'est une chose. Mais que Lady Ponce mette l'accent sur un fléau qui mine les artistes camerounais. Et que vous, camerounais, artistes, enfants du Cameroun, vous ne vous alignez pas. C'est une honte. J'ai également vu le poste de Moustique le charismatique, que je respecte énormément. J'ai trouvé ce poste maladroit. Quand Lady Ponce a un problème envers ses frères ou ses sœurs camerounaises, je peux accepter une telle sortie de Moustique le charismatique. Mais là, Lady Ponce est en train de s'attaquer à un artiste d'extérieur. Bien qu'elle ne s'attaque pas directement à lui, c'est son nom qui est mentionné. Elle s'attaque en fait, en réalité, à Cantel. Mais, indirectement, Fally Ipupa par ricochet est touché. Parce que c'est lui qui est en tête de fiche. On ne peut pas laisser l'une des nôtres pour aller soutenir quelqu'un à l'extérieur quand on est en train de vivre ce qu'on vit en Côte d'Ivoire. Le Cameroun est un pays hospitalier. Le Cameroun est un pays d'accueil. Le Cameroun a toujours élevé les personnes étrangères. Le Cameroun a toujours donné la place aux personnes qui venaient d'ailleurs. Nous avons l'exemple des Chinois qui dominent les Camerounais sur leur terre. Nous avons l'exemple des Libanais qui font la loi au Cameroun. Nous avons l'exemple de beaucoup plein d'autres pays qui viennent dominer les Camerounais. Les Camerounais ont toujours laissé faire. Les Camerounais ont toujours laissé faire. Dernièrement, pour parler du sujet de Diana Bouli, avant de venir enchérir sur ce que je suis en train de dire, nous avons eu effectivement Diana Bouli. Le COCAN en Côte d'Ivoire a décidé de choisir des impacteurs qui vont représenter l'événement qui sera attendu en Côte d'Ivoire, la CAN.
Les Ivoiriens ont choisi 10 Ivoiriens de leur pays. Je dis bien 10. Et 2 personnes étrangères. Ce sont des informations sûres que j'ai récoltées sur des pages officielles ivoiriennes. Les 2 étrangers qui ont été sélectionnés, il y a un seul Camerounais. Ce Camerounais représente l'Afrique centrale. Et un autre étranger qui représente l'Afrique de l'Ouest. Le Camerounais qui représente l'Afrique centrale, c'est une Camerounaise qui s'appelle Diana Bouli. Les Ivoiriens n'ont pas regardé que le COCAN a pris 10 Ivoiriens. Il n'a pas délaissé les Ivoiriens. Les Ivoiriens, certains Ivoiriens, on va faire la précision, c'est important. Mais ces certains Ivoiriens-là sont des Ivoiriens influenceurs, sont des impacteurs. Leur voix porte. La preuve, après qu'ils aient tapé le scandale, aux dernières nouvelles, on a enlevé le nom de Diana Bouli de la liste. Ces Ivoiriens n'ont pas regardé qu'elle n'est qu'une seule Camerounaise. Ils ont dit non. Ils n'ont pas regardé qu'on a mis 10 Ivoiriens. Ils ont dit qu'ils ne veulent pas d'elle. Cette Camerounaise a subi un lynchage médiatisé. On l'a insultée matin, midi, soir. On l'a traitée de tous les noms d'oiseaux. On a dit qu'elle n'avait pas sa place en Côte d'Ivoire, qu'on ne pouvait pas donner cette place à cette fille quand il y a des Ivoiriens. Pourtant, le COCAN a choisi 10 Ivoiriens. 10 Ivoiriens. Je regardais cette scène de marbre. Je voulais m'asseoir et faire un live concret, propre, sur Facebook. Mais je me suis rappelé d'une chose. Le patriotisme peut-être est en train de les obliger à faire ce qu'ils sont en train de faire. Pourtant, ce patriotisme n'avait pas de place à cet instant précis. Parce que 10 Ivoiriens ont été sélectionnés. 10. J'étais choquée. Je dis bien, j'étais choquée. Pas d'amalgame. L'artiste Lady Ponce n'est pas en train de répéter la même chose que les Ivoiriens. L'artiste Lady Ponce est en train de dire ceci. Pour une organisation comme celle qui est faite dans un événement local. Camtel est une société d'État qui vit aux dépens du contribuable camerounais, qui vit aux dépens de l'argent des artistes camerounais, qui vit aux dépens des Camerounais. Il est tout à fait légitime que l'artiste qui doit faire la tête de liste de leur fiche soit un artiste local. Elle n'a pas dit que Fally ne devait pas chanter ni prester. Elle n'a pas dit que Fally ne devait pas venir au Cameroun, contrairement à ce que Diana Bouli, elle, est en train de subir en Côte d'Ivoire de la part de certains Ivoiriens qui ont de l'eau à la place du cerveau. Je dis bien certains. Pas d'amalgame. Ne mélangez pas les pédales. La fiche de Camtel, nous avons des artistes qui chantent plus que Fally. Nous avons des artistes qui chantent comme Fally. Nous avons des artistes qui chantent moins que Fally. Maintenant, on va prendre les artistes qui peuvent faire le poids avec Fally et le font proprement. Nous avons l'artiste Bendeka qui pouvait faire la fiche de Camtel. Nous avons l'artiste Lady Ponce qui pouvait faire la fiche de Camtel. Nous avons l'artiste Coco Argenté qui pouvait faire la fiche de Camtel. Nous avons l'artiste Chris M. qui vient de commencer, qui est une figure personne dans la musique camerounaise. Vous pouviez prendre cette jeune artiste pour montrer aux Camerounais que vous soutenez la jeunesse. Que vous êtes pour les jeunes, pour l'avenir de demain. Vous pouviez le faire. Prendre Fally, mettre sur l'affiche de l'événement local du Cameroun, c'est une insulte pour nous. C'est une insulte pour nos artistes qui ont bercé notre enfance. C'est une insulte pour l'argent que nos artistes dépensent dans les salles d'enregistrement. Se font escroquer par les managers malhonnêtes, les arrangeurs malhonnêtes, parce qu'ils veulent faire bouger le pays, parce qu'ils veulent soulever le pays au sommet de la montagne. Ne profitez pas de l'occasion de la pluie pour venir foutre le bordel dans le torrent.
Vos antécédents avec les dépenses, vous les réglez en aparté. Quand c'est entre nous, Camerounais, mais pas contre un étranger. Le Gabon s'est aligné dans un seul slogan. Merci, mon étoile. Un seul slogan, le Gabon d'abord. Le Congo s'est aligné dans un seul slogan. Le Congo d'abord. Les Ivoiriens ont rejoint le bateau. La Côte d'Ivoire d'abord. Et j'en passe. Les Camerounais, nous sommes un pays hospitalier. Nous aimons le vivre ensemble. Mais désormais, notre slogan, il est nouveau. Le vivre ensemble, oui. Mais pas au détriment des Camerounais. Ça devient notre slogan. Vous entendez avec quoi? Vous dites Gabon d'abord, Côte d'Ivoire d'abord, Congo d'abord, et j'en passe. Nous, Camerounais, on vous dit, le vivre ensemble, oui, mais pas au détriment des Camerounais. Parce que nous avons trop donné. Parce que nos artistes se sont fait humilier. Parce que depuis des années, notre artistes sont menés à la baguette. Ils sont tenus en laisse par des gens qui ne les respectent pas. Mais savent les appeler quand ils ont des événements. Parfois, nos artistes vont prester juste pour un plat de nourriture. Honte au Cameroun. Parfois, nos artistes vont prester pour recevoir 10 000. Quand on sait que Fally va peut-être recevoir plus de 30 millions de francs CFA. Ici, je ne peux pas confirmer la somme parce que je ne connais pas véritablement son cachet. Mais Fally traîne par là. Ces 30 millions de francs CFA, vous pouvez rajouter ça aux droits des artistes au Cameroun. Cet exemple de 30 millions de francs CFA, vous pouvez rajouter ça aux droits des artistes au Cameroun. Il est inadmissible que les artistes qui ont bercé notre enfance croupissent dans les taudis au Cameroun parce qu'ils n'ont pas de droit d'auteur. Mais ils ont chanté pour vous. Ils ont fait connaître le Cameroun. Il est inadmissible. Cet argent que vous allez remettre à Fally parce qu'il fait la tête d'affiche de votre événement, vous pouvez prendre cet argent et rajouter aux droits d'auteur des artistes. Parce que les artistes ne bénéficient pas de leurs droits d'auteur. Et ceux qui en bénéficient, ce sont des sommes minables. Je disais tantôt que ce qui vous tue au Cameroun, c'est l'égocentrisme chronique, le manque de solidarité. Oui. Le Camerounais n'est pas patriote. Le Camerounais est un rancunier. Comme le dit Ponce a des antécédents avec certains artistes, elle est en train de défendre une cause qui peut changer les choses demain. Ils ne viennent pas soutenir sa cause parce qu'attention, non. La guerre du leadership. Si c'est grâce à elle que le changement vient à arriver, elle va trop se vanter. Le dit Ponce à ce moment s'il n'a plus besoin de se vanter. Son nom est déjà écrit. C'est une artiste de talent, que vous le vouliez ou pas. Elle a déjà écrit son histoire. Le temps va passer, les années vont passer. Les gens vont se souvenir que c'est une artiste qui a fait bouger les choses. Elle n'a pas besoin de la reconnaissance à ce niveau. Cher artiste, votre égocentrisme se fait voir. C'était le moment pour vous de vous unir main dans la main. Aujourd'hui, vous comprenez que le Cameroun n'est pas votre problème. Votre problème, c'est vous-même. J'attends de voir un poste de soutien sur la page de Mani Bella. Si c'est déjà fait, très bien. Parce que ça vous concerne. J'attends de voir un poste de soutien sur la page de Chris M. Ça vous concerne. J'attends de voir un poste de soutien sur les pages de Grace Deka, Ben Deka, Charlotte Dipanda, Chris M. Tous ces chanteurs, Longuet Longuet. Et j'attends surtout de voir ce poste de soutien sur la page de Maman Annie Anzoué. Maman Annie Anzoué, il est important que tu soutiennes cette cause. Parce que tu es une figure emblématique de la musique camerounaise. Tu as chanté, on a vu. Tu as fait bouger le Cameroun, on a vu. Mais regarde comment tu finis. Maman Nianzoué reçoit combien à la fin de sa carrière? Maman Nianzoué est obligée de faire un restaurant à son âge pour une artiste de renom comme elle. Aujourd'hui, on l'a oublié. On l'a archivé. Maman Nianzoué, lève-toi, maman. Fais un poste pour soutenir cette cause. On s'en fout de qui a parlé de cette cause. Parce que ça te concerne et beaucoup plein d'autres artistes. Ça vous concerne. Levez-vous, changez les choses. Plus jamais au Cameroun, un artiste d'extérieur viendra faire l'affiche devant les autres artistes locaux. Les artistes internationaux qui viennent d'ailleurs viendront chanter chez nous parce que nous sommes un pays d'accueil et parce que nous aimons leur musique.
Mais nous allons d'abord privilégier les artistes du pays, du Cameroun, du pays, de la terre de nos aïeux. Et ensuite, eux viendront, peu importe leur acabit de musique, peu importe leur acabit d'année de carrière. Nous n'en avons rien à foutre. Le vivre ensemble, oui, mais pas au détriment des Camerounais. Plus jamais, à travers ma voix, j'incite le peuple camerounais, si la fiche de Fally n'a pas changé, de boycotter l'événement de Camtel, je prends sur moi. Si on n'a pas enlevé Fally à la tête de cette fiche, et mettre Charlotte, ou un artiste, ou la jeune Chris M qui vient de débuter dans la musique et qui est une fierté du Cameroun, Fally n'aura pas sa tête sur cette affiche. Cher peuple congolais, j'ai beaucoup de respect pour tous ces Africains du monde qui me regardent. J'ai beaucoup de respect pour tous ces Africains du monde qui nous soutiennent. L'Afrique d'abord. L'Afrique est indivisible. Mais dans l'Afrique, il y a plusieurs pays. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Chacun défend l'intérêt de son pays d'abord. Maintenant, l'Afrique se met en solidarité quand les continents d'ailleurs veulent essayer de nous avaler. Ici, nous sommes en train de parlementer entre Africains. Vous respectez vos artistes. Vous leur donnez toujours la place numéro un. Permettez-nous de singer le bon exemple. Je ne vois pas en quoi c'est dur. En Côte d'Ivoire, ils mettent d'abord les leurs en avant. Je ne vois pas en quoi c'est mauvais de singer le bon exemple. Nous sommes simplement en train de singer le bon exemple. Lady Ponce, bravo pour ta sortie. J'ai entendu dire que Lady Ponce aurait des antécédents avec Antel, que sa cause n'est pas noble parce que c'est une cause égocentrique. Elle ne pense qu'à elle. Ma mère a pour fâcheuse manie de dire ceci. Ne pas profiter de l'occasion de la pluie pour déféquer dans le torrent. Moi, je dis, dans certaines circonstances, profiter de l'occasion de la pluie pour déféquer dans le torrent n'est pas plus mal. Maintenant, je vais essayer de décortiquer pour mes petites sœurs qui ne comprennent pas souvent les paraboles. Le torrent, c'est, on va dire, c'est comme une grosse rivière qui va amener tout ce qui est, tout ce que tu vas jeter dedans. Ne pas profiter de l'occasion de la pluie pour foutre dans le torrent. La pluie ici, ce sont les problèmes. D'accord? Quand il y a les problèmes, tu profites de ces problèmes pour aller jeter dans le torrent. Je ne sais pas comment vous expliquer. Jeter dans le torrent alors qu'il y avait déjà autre chose, mais tu profites de ça. Donc, ils veulent dire que Lady Ponce avait déjà un problème avec Camtel et elle veut venir profiter de ce petit problème pour régler ses comptes. Si Lady Ponce a un problème avec Camtel et elle règle ses comptes en sauvant d'autres artistes, ici, je vois que c'est très bien. C'est parfait. Ça a sa place parce qu'on peut profiter de ce problème pour sauver nos artistes. Nos artistes ont besoin de nous. Certains de nos artistes vivent en Europe dans les taudis. Ils font pitié. Vous les voyez dans les Nganda. On te dit que l'artiste s'y a fait bouger le Cameroun il y a 50 ans. Tu dis que non, ce n'est pas l'artiste. Nous avons l'exemple de Maman Guéa qui, à la fin de sa carrière, s'est retrouvée malade. Même pas un centime dans le compte. Elle était obligée de taper le dicalo sur les réseaux sociaux pour que chacun vienne enlever 10 euros pour lui donner. Plein d'autres artistes sont là comme ça, abandonnés à eux-mêmes. Vous n'en avez pas marre de donner cette image de vos artistes? C'est le moment d'augmenter les cachets des artistes camerounais. Si les artistes camerounais ne se lèvent pas là récemment, fais les marches là-bas au Cameroun pour stopper cet événement tant qu'on n'a pas changé l'affiche. Je saurais que vous êtes des poules mouillées. Juste des personnes qui vocifèrent sans attaquer. Sortez, levez-vous. C'est très important. On ne peut pas manquer de respect aux grands artistes qu'on a au Cameroun. La musique de Ben Deka. Depuis petite, à la maternelle, je chantais, je dansais dedans. Jusqu'à nos jours. Quand j'écoute du Ben Deka, c'est comme si c'est hier qu'il a composé sa musique. Les vrais artistes.
C'est-à-dire que leur musique, c'est comme du bon vin. C'est avec... Plus le temps passe, plus ça résonne mieux. Ce n'est pas la musique de Pacotti. Nous avons des artistes comme ceux-là. Vous nous dites que Fally chante bien. On n'a pas refusé. Mais venez nous dire que parce que Fally chante bien, c'est un artiste de renom. Ça nous dit que nos artistes que nous avons là, c'est de la bouillabaisse. Vous connaissez ce que c'est la bonne musique? Les artistes comme André Marie Tala que nous avons eu au Cameroun. Regardez la jeune Chris M. Elle vient à peine de sortir de l'œuf. Regardez l'émotion qu'elle donne sur une scène. Vous voulez nous dire quoi là? Qu'on va laisser les nôtres pour venir vous épouser quand on voit comment vous nous traitez? Ah non, non, jamais. Ce n'est pas faisable. Fally va venir chanter parce que le Cameroun, c'est aussi son pays. C'est l'Afrique qui gagne. Mais Fally ne fera pas la tête d'affiche. Du moins, pas tant que nos artistes n'ont pas reçu la reconnaissance qu'ils méritent. Je suis pour les artistes. Tous avec les artistes camerounais. Tous derrière les artistes camerounais. Vos petites amitiés que vous avez avec les artistes dehors, quand vos soeurs se mettent dans les problèmes, vous préférez protéger les artistes de l'extérieur. Je ne sais pas ce qui vous donne, c'est votre problème. J'ai toujours dit une chose ici, là. Moi, je ne défends pas pour attendre le monde. Je donne ma voix pour avoir participé à l'évolution de mon pays à mon niveau. Celui qui va dire que tu es qui pour venir parler, je suis l'étoile caribienne. Camerounaise, le goût de ça. Donc, je soutiens nos artistes. Merci là-bas, Boris. Vous voyez quelque part où on manque de respect à Lady Ponce, faites du sale. On va attendre de régler Lady Ponce quand on aura nos problèmes en famille. Pas face à un étranger, désolé. Maintenant, la minorité d'Ivoiriens qui va profiter de ce live pour venir dire que voilà, quand on a parlé de Diana Bouly, ils ont dit que c'était pas pareil. Hein. On a d'abord mis les vôtres en avant, on a pris deux étrangers, on vous a mis 10. 10 Ivoiriens, on a pris deux étrangers. Le Camerounais, c'est le contraire qu'il fait. Il va prendre 10 étrangers, il va mettre 2 Camerounais. L'étranger chante plus que qui au Cameroun. Vous avez déjà écouté Charlotte Dipanda chanter? Sans micro, juste faire un petit a cappella en live. Vous avez déjà écouté? Vous n'avez pas encore écouté? Les mamas Katino qui ont fait bouger la musique camerounaise, vous ne les avez pas écouté? Pour venir nous dire que telle chante bien. Je fallais chanter. Non, 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 non. Bendeka chante. Qu'est-ce que... Le verbe aimer est difficile à conjuguer. Son passé n'est jamais simple. Son présent est imparfait. Son futur est conditionnel à tes. J'aime l'instant présent que je chante avec toi. Vous ne voyez pas que c'est de la bonne musique aussi? Les messages passent devant. Nongo Sopi, prends le savon, tu mets dans ta poche. Si l'amour dérange, tu laves. Ce n'est pas des messages que nos artistes nous passent. Qu'est-ce qu'on cherche ailleurs alors qu'on a tout dedans? C'est ce qu'on passe le temps à faire. On a des cerveaux au Cameroun, on part chercher les cerveaux à l'étranger. On a des étudiants qui ont fait la D, qui ont choisi de choisir la médecine. On part chercher les médecins des États-Unis alors que les Camerounais sont là avec le potentiel. Le génie est dans l'âme. Mais vous rêvez au coin. Hein? Rosabelle. Donc, voilà, mes étoiles d'amour, c'est ce que j'avais à dire. Vous voyez où on insulte Lady Ponce, ne légitimisez pas ça. Ceux qui me soutiennent. Là où vous voyez où les gens disent, oui, elle est toujours comme ça, ça c'est entre nous. Le Camerounais dit que son frère est mauvais. Le Camerounais dit que son frère est méchant. Oui, il n'y a pas de poubelle où on va se jeter. Mes frères Camerounais, il n'y a pas de poubelle où on va se jeter. On va se supporter désormais. Ça tchame chez nous, mais quand l'étranger vient nous chercher, nous prouve. D'accord? C'est ce que j'ai dit. Courte publicité. Pour avoir une belle peau comme l'étoile caribienne, utilisez la gamme Cribiclair qui ne coûte que 165 euros. Allez passer vos commandes sur le site Cribiclair ou composez le 0033 767 91 04 64. Si vous êtes à Paris, vous voulez votre gamme le même jour, appelez la représentante Merveille sur le numéro qui s'affiche sur ma photo de profil. Voilà, elle vous livre la gamme le même jour.
Dans le site, vous avez plusieurs gammes, vous avez plusieurs produits. Vous avez les produits pour les fibromes, les kystes ovariens. Vous avez les produits amincissants. Vous allez sur le site Cribiclair, qui est en titre de ce direct. Merci beaucoup, Vapeur. Hein? Quand il y a les problèmes dans notre pays, on a parlé de... Oh, comment on parlait encore? Les Londinozo. Ce sont nos artistes qui se mouillent le maillot. Quand il y a les écoulements de terre, ce sont nos artistes qui mobilisent. Je vois Mani Bella ici, là. Elle va appeler tout le monde pour aller donner 10 francs, 10 francs. Et quand ce sont nos artistes qui sont là. Et quand il y a un événement, vous voulez nous dire qu'on va d'abord prendre un artiste de l'extérieur et vient faire l'affiche à la place de nos artistes qui se mouillent le maillot, à la place de nos artistes qui font le tour du Cameroun pour montrer la beauté d'un pays. Hein? Vous avez vu ça où? Maloc, ici, là, l'année dernière, s'est fait insulter correctement et bien. Vous ne connaissez même pas valoriser vos artistes quand ils sont vivants. Vous attendez quand ils partent de cette terre. On t'aimait bien, tu chantais bien. Longuet, longuet là. Aïe, Africa, et c'est mal à pondre. Aïe, Africa, et manyamae. Et vous allez laisser longuet, longuet sur le banc de touche. Fallait bien faire la fiche de Cantel à la place de longuet, longuet. Ah, t'étais le babignon là, Boandjo, vous voyez. À la place de longuet, longuet. Au Ponda batete basu, Afrique est en de moussangoué. Bakalaba poino, bama wanande politique. Bakalaba poino, bama wanande lungwa politique. Aujourd'hui, la politique a gâté l'Afrique. Longue Longue va rester sur le banc de touche. C'est grâce à lui que Kamtel vit. Son agent est dans l'agent de Kamtel. Fali va venir faire la tiche. Parce qu'il parle le lingala. Fali! Tu vas venir chanter comme tout le monde, mais tu ne fais pas la fiche là-bas. Boycott! J'attends déjà ma plainte de chez Karine Mungwe. Rajoutez la plainte de Kamtel. Boycott Kamtel! Si tu ne changes pas la fiche là, le cachet que tu avais prévu pour Fali là, tu vas donner ça pour un artiste local. Et l'artiste là va souvent aller donner l'argent dans les orphelinats. Parce que les artistes font plein de dons au Cameroun. Lady Ponce aide les Camerounais là-bas tout le temps. Vous connaissez seulement vos artistes pour venir mendier dans les inbox. Maman Lady Ponce, Maman Charlotte et Chris M. Même celle qui est la mère de Chris M. Maman Chris M. Et quand il faille venir soutenir vos artistes, vous êtes muets. Vous osez manquer de respect à Lady Ponce face à quelqu'un qui est de l'extérieur. Et j'en ai terminé trop parler de ces maladies. Le vivre ensemble, oui, mais pas au détriment des Camerounais. Désormais, c'est ça. On se connaît mauvais. On se connaît méchant. Mais il n'y a pas de poubelle pour se jeter. On va se supporter. Merci. Mes étoiles d'amour, je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour écouter, regarder ce live. Merci pour la force. La page est restreinte, mais vous faites l'effort d'être là. Il y a Dieu dedans. Merci. Partagez massivement ce live. Ténor, j'allais oublier. Ténor? Ténor n'est pas là pour faire l'affiche de ça. Ils vont venir dire que vous insultiez souvent Ténor. Entre nous, oui. Ténor n'est pas là. Ténor est là. Celui qui chante, nous tous sommes Fala, le Nyama. Le Nyama. Averro Jess n'est pas là. Ils ne sont pas là. Ces artistes-là ne sont pas là. Vanister. Vanister n'est pas là. Le jeune Vanister n'est pas là. Vous rêvez ou quoi? Il y a quelqu'un qui s'est improvisé comme Vanister. Je dis que Vanister est assis. Il n'a pas préparé le test. Il me voit avec les cheveux, il sait déjà ce qu'il va me chanter. L'étoile cribienne avec ta belle chevelure. Tu es l'Afrique en miniature. La, 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 la. Il a déjà les paroles. Vous parlez de quoi? Vous connaissez les titres que Vanister est en train de sortir en ce moment? Hein? Si aujourd'hui tu as bu le gari, demain tu peux manger le riz. Faut pas déranger. Ne pas les longs yeux. Le jour tu as pu manger. Dis merci mon Dieu, faut pas déranger, n'aie pas les longs yeux, le jour t'as pu manger. Dis merci mon Dieu, n'envie pas la vie des gens, ce que Dieu te donne, mon frère, prends. Vous êtes là, vous avez les talents comme ça, brut. Il n'a pas beaucoup travaillé, c'est juste l'échantillon. Vous ne montez pas vos talents au sommet. Ce sont les autres qui reconnaissent que Vanister chante. Parce que vous abandonnez vos talents. Vous préférez aller dire que l'autre est belle, l'autre est intelligent, l'autre chante bien, pays d'ailleurs.
pays des autres. Comme pareil pour votre pays, la Côte d'Ivoire est belle, mais ne construisez pas chez vous. Nous avons tellement d'artistes. Disons que vous avez les problèmes avec les vieux artistes. Indira n'est pas là. Baboké n'est pas là pour venir faire l'affiche de ça. C'est comment? Vous rêvez ou quoi? Mieux mettre Chakala VIP. Le pied du bébé, mieux pas chanter ça à Kanté. Les Camerounais aiment ça. On met Chakala VIP. C'est une artiste de chez nous. On prend Amazon, on met. Maman Chantal a ici, on part récupérer notre maman Chantal a ici. Tellement vous avez délaissé nos artistes qui sont obligés de se retrouver dans le Congo. Ça. Si vous occupez nos artistes, ils n'auront pas le temps de parler avec les gens n'importe comment. C'est parce que vous ne les valorisez pas. Maman Chantal a ici ne peut pas faire la couverture de Kamtel. Pourquoi? Ses problèmes personnels ne regardent pas son art. Elle va aller chanter l'hymne de l'unité. C'est comment? Vous avez un problème ou quoi? Bon, mes étoiles, je vous laisse. Je suis fatiguée. Gros bisous. Je vous salue. Attendez, je salue 10 personnes. Clara Nulou, bisous. Jomo, bisous. Oui, j'ai parlé de Coco Argenté. Léa Niami, bisous, mon étoile. Le village brille. Natacha, le village brille. Et ton nom l'est trop dur, mon étoile. Si c'est beauty, quoi là? Le village l'est dur. Le nom l'est dur. Bijoux, le village brille. La patience, le village brille. Marthe, le village brille. Nazara, le village brille. Lucia, le village brille. Bon, mes étoiles, je suis fatiguée, je vous laisse. N'oubliez pas, un joli teint sans kento sur les doigts. Vous allez passer vos commandes sur le site Cribiclair. Voilà, le site est en titre de ce direct. Bonne journée, mes étoiles. Franchement, j'ai un rendez-vous.